Bonjour, je suis Églantine, j'ai 30 ans et je suis coach pour Mon Job de Sens. Ce que j'adore pratiquer dans mes hobbies, c'est de partir à l'aventure, faire des micro-aventures ou tout simplement pratiquer la danse libre. Pour revenir sur mon parcours professionnel, j'ai démarré en grande distribution, dans des fonctions marketing, et puis assez rapidement, j'ai eu envie d'avoir plus de sens dans ma carrière, et je me suis orientée assez naturellement dans l'économie sociale et solidaire, et j'ai intégré une start-up de l'économie du partage, qui faisait une application de prêt et d'emprunt d'objets entre particuliers. Et puis par la suite, j'ai intégré MySésame, une structure qui accompagne, qui forme, qui acculture des dirigeants, des managers, de grandes entreprises mais, et aussi des fonds d'investissement à finalement comment repenser leur cœur d'activité, leur business pour réintégrer les enjeux sociaux environnementaux. Dans cette expérience-là, j'ai été formatrice, j'ai été facilitatrice intelligence collective et j'ai notamment créé un club pour créer vraiment le lien entre les dirigeants et les entrepreneurs sociaux. Et puis, depuis maintenant un an et demi, je suis à mon compte, je suis coach pour mon job de sens, mais j'accompagne également des personnes en décrochage scolaire à réintégrer le système. Et puis, j'accompagne également des entrepreneurs sociaux sur la voie de leur engagement. Ce qui m'anime, c'est finalement créer les bonnes connexions, mais c'est surtout utiliser les outils de la connaissance de soi, du développement personnel, que ce soit la communication non violente, la psychologie positive ou tous les outils du coaching, pour les mettre vraiment au service des individus, mais également des équipes, pour que chacun puisse trouver sa juste place et puisse se sentir pleinement épanoui dans sa vie professionnelle comme personnelle. Mes engagements, je suis dans une démarche de zéro déchet depuis maintenant 5 ans. Je fais beaucoup de mentorat pour des jeunes qui sont notamment soit au collège, lycée ou en démarrage d'études pour pouvoir vraiment les aider à s'orienter au niveau professionnel.